Monaco devra donc payer la taxe à 75%. Un bémol tout de même, cette taxe est plafonnée à 5% du chiffre d'affaires des clubs. Les dirigeants monégasques devront donc débourser au final 7 millions d'euros. Un geste surtout symbolique pour le milliardaire russe Ribolovlev et les siens, comparé aux 20 millions d'euros que doit payer le PSG. C'est toujours douloureux pour les Saint-Etienne, pour les Lyon, les Rennes, etc., qui ont finalement des budgets modestes. Mais pour les entreprises qui ont en tout cas un droit de tirage un peu supérieur, comme Monaco et Paris Saint-Germain, ce sera moins douloureux à l'évidence. Cette taxe, finalement, elle est symbolique. Elle ne fera pas payer les riches, comme c'était pourtant son objectif, mais elle continue de frapper des clubs moyens du championnat de Ligue 1. Prochain objectif avoué pour les dirigeants français et les clubs de Ligue 1, obliger Monaco à avoir son siège social basé en France, permettant ainsi d'autres impositions pour le club de la Principauté. Alors il y a non seulement les 75% qui pourraient s'appliquer à Monaco, mais si le statut fiscal de Monaco change, Monaco devra payer la taxe professionnelle ou ce qui lui a succédé, un certain nombre d'impôts dont le club était exonéré jusqu'à présent. Ça ne change pas fondamentalement la donne, mais ça rétablit quand même un peu d'équité à défaut de rétablir des conditions de concurrence normales. Le club de l'AS Monaco n'en a donc pas terminé avec ses démêlés fiscaux.